Salam alaikum Azul Fellaoun, bonjour. Il faut vraiment faire exprès, vraiment ne pas voir que de ne pas voir que l'initiative politique de la CLTD, celle de l'ANC et d'autres qui s'annoncent ici et là ne sont pas des signes avant-coureurs d'un bouleversement qui est déjà là, même si les médias ne l'abordent pas sous le même angle de l'urgence et de la gravité, même si la léthargie des élites intellectuelles continue de les couper de la dure réalité, même si le régime fait tout ce qu'il peut pour en faire des non-événements. Cet éveil politique est bien réel, il est là. Mais l'activisme fébrile et laborieux se fait un peu dans l'improvisation, voire dans le bricolage. Il se déroule aussi dans un climat qui ne lui est pas unanimement favorable, et pas seulement de la part du régime. Des voix s'élèvent ici et là pour nous dire que nous ne devons pas prendre des vessies pour des lanternes, que cette initiative ne lavera pas plus blanc que blanc, qu'elle n'est pas aussi indemne de critiques que nous le disons. L'une de ces voix, celle de Brahim Younsi, est aujourd'hui avec nous pour en parler. Depuis d'autres initiatives politiques, d'autres voix, comme celle de l'ANC, représentée aujourd'hui et ici parmi nous par Samir Bouakouir, l'un de ses membres fondateurs, disent se réjouir de l'événement de cet acte politique qu'a été la CLTD. Mais ils émettent des réserves, signalent des erreurs d'appréciation de la situation, dénoncent des exclusions. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid et néanmoins membre fondateur de la CLTD, est là avec nous pour répondre à ces interrogations et pour nous dire où en est la CLTD, ce que sont ses perspectives immédiates. Commençons donc par Brahim Younsi. Brahim Younsi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Brahim Younsi, merci à vous. Alors, dites-nous, Brahim, les représentants de la CLTD et de l'ANC sont là. J'aimerais que vous alliez droit au but de nous dire en quoi ces deux initiatives vous semblent sujettes à caution, si je peux dire. Je vous en prie. Non, dans leur principe, je l'ai toujours dit, que les démarches sont bonnes dans leur principe parce qu'elles ont l'intention de rassembler. Mais comme vous l'avez dit, il y a des exclusivismes et des exclusions. Le principe est bon, mais la nature aussi est mauvaise de mon point de vue. Mais néanmoins, permettez-moi de noter, parce qu'il y a des aspects positifs, tout n'est pas négatif dans ce qui s'est fait à l'ANC et ce qui s'est fait à la CLTD. Mais je note deux points positifs, de mon point de vue évidemment. Premier point, la présence des dirigeants du Front islamique du salut. Lequel Front islamique du salut détient, que nous le voulions ou non, la légitimité électorale et démocratique. À cet égard, il donne une crédibilité, permettez-moi le qualificatif, relative à cette coordination. Deuxième point, j'aurais dû commencer peut-être par celui-là, oui, qui, à mes yeux, est extrêmement important. Et je fais référence à la plateforme de la CLTD. L'acceptation, et je dis bien l'acceptation, explicite du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, le RCD, on aurait économisé beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de sang de l'islam, l'acceptation par le RCD de l'islam comme source du droit algérien. Dès lors qu'il ne reconnaît plus que la déclaration du 1er novembre comme référence idéologique. Oui. Parce que, en effet, dans le chapitre Principes et règles, les signataires de la plateforme de la CLTD ont adopté, et je m'en réjouis, la déclaration du 1er novembre 1954 comme cadre de référence de l'État algérien, avec le respect des éléments fondamentaux de son identité et ses valeurs.
Mais c'est Brahim Younsi. Brahim Younsi, j'aimerais vous entendre plutôt nous dire ce que vous reprochez de façon claire et pointue, si je puis dire, à cette initiative. D'abord dans la nature. Dans la nature, j'ai dit d'accord sur le principe. Non, on est d'accord sur le principe, il y a des points positifs. Je voulais noter d'abord les points de convergence et les points de positifs à mes yeux. D'autre part, si vous voulez les points de désaccord sur le principe. Voilà, j'aimerais que vous y alliez directement. Oui, sur le principe, il n'y a aucun problème pour se rassembler. Sur la nature, notamment de la CLTD, c'est sa composante. Sa composante qui, de mon point de vue, constitue un bloc du pouvoir. Pourquoi je dis cela? Oui. Parce que l'ensemble des partis, ont fait un parcours dans le pouvoir, y compris dans le gouvernement. Vous parlez des personnalités et des mouvements comme le MCP qui ont fait partie du pouvoir. Absolument, y compris, c'est pas porter une critique à M. Soufiane Djilali, qui était quand même un membre important du PRA, le PRA, dont il a été un des membres importants et a participé au pouvoir, et a soutenu le pouvoir dans les années 90. Je veux dire que le système, si on considère, c'est le reproche fondamental que je fais, oui. Si on considère que ce pouvoir, que ce système est illégitime, on ne peut pas se légitimer à travers lui. Attendez, Brahim Younsi, nous allons en rester là pour le moment, puis nous reviendrons vers vous. Nous allons, avant de donner la parole à Soufiane Djilali pour qu'il vous réponde, nous allons écouter Samir Bouakouir, qui membre fondateur de l'ANC, qui a fait une déclaration en ce sens. Et j'aimerais, que j'ai déjà reçu dans une autre émission, et j'aimerais que lui aussi nous exprime ce qu'il reproche à la CLTD, ce qu'il en pense. Samir Bouakouir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et puis mes salutations à vos invités. Merci. La question ainsi est posée, enfin ce qu'on reproche à la CNDT, nous avons fait une déclaration où de toute manière nous disons d'une manière générale que nous saluons toute initiative qui vise à réunir des Algériens, à réunir des partis qui ont des orientations politiques et idéologiques différentes. Pour rien vous cacher, j'ai été réjoui par l'image notamment de la